Wesh l'équipe, c'est Sergi et aujourd'hui c'est la troisième épisode de la série Street Life les gars, Street Life et aujourd'hui je sais pas ce qu'on va faire mais on va essayer de se faire beaucoup d'argent. Regardez, la fois passée on s'était fait 5 000 $, je sais pas pourquoi ça avait pas sauvegardé. En fait même mon jeu avait crashé après donc j'ai pas pu continuer l'épisode d'hier. Il y aura beaucoup de crash et je crois le problème, je sais où est, on va avoir trouvé le problème, mais cette fois-ci on va essayer de pas avoir un crash. C'est pour ça que je continue pas l'épisode, la série pardon. Et là je crois qu'il y a un dealer, je crois qu'on va aller lui voler son bif les guys. Oh. Allez les gars, on a volé et je crois qu'on a tout le gang à nos trousses les guys. On a tout le gang à nos trousses les gars. Faut que je me casse, faut que je... Alors ils sont à ma recherche, j'ai volé en fait. J'ai volé la dope. Attention les guys, ils sont très nombreux, ils sont très très nombreux les guys. Bon, je vais aller de l'autre côté de la rue là-bas. Et donc déjà avec ça on va faire on va être dealer de dope et on va vendre la dope calmement dans la rue. Là c'est un moyen de se faire beaucoup d'argent rapidement, c'est attaquer un dealer mais il faut faire attention parce que après tout le gang va te courir après. Attention, il y a quelqu'un là-bas. Ils sont à mes trousses les gars, ils sont vraiment à mes trousses. Ouh, les guys, faut que je fuis là. Ils sont partout. Franchement, ils vont pas me lâcher. Là, y a pas de voiture. Je suis toujours dans des pétrins. Pas possible. S'ils m'attrapent, franchement, je vais tout perdre. Je vais perdre mon argent. Je vais perdre la dope. Je vais tout perdre. Mais là, je crois que je suis déjà loin. Je crois que ce territoire ne leur appartient pas. Je crois que c'est même mon gang que j'ai volé. Je sais pas pourquoi j'ai volé à mon propre gang là. Je trouve pas de voiture. Attention. On va pas se faire tuer bêtement. Et là, je crois qu'il y a des voitures. Et là, je crois que c'est fini. Ils sont plus en mes trousses. Allez, on va aller prendre. On va aller voler une voiture ici. Je préfère prendre une voiture avec 4 portes. Pourquoi? Parce que souvent, j'ai des membres de mon gang. Me suivent. Allez, c'est parti les guys. on a la dope les guys, on a la dope et on va aller faire du trafic. On va aller au bloc. On va aller dans notre quartier. On va retourner. Heureusement, ils m'ont pas vu. Et c'est parce que j'avais aussi un masque. Ouais. Quand vous faites du banditisme, n'oubliez surtout pas de porter votre masque, même dans la vraie vie les guys. Ne faites pas du banditisme dans la vraie vie, mais si vous le faites, faites très très attention parce que vous risquez de laisser votre peau et ça serait pas vraiment beau. Alors je vais aller au repère. Oh là, je viens de voir une jolie caisse là. Je vais changer de voiture. J'aime bien ces caisses. Allez. On arrive au repère du gang les guys. Allez, on va faire un peu de trafic et peut-être après on pourra aller vendre notre dope. Allez, on va faire notre trafic. On fait comme ça, si je me souviens. On va appeler Z et lui prévenir qu'on va faire du trafic. Donc on va faire dealing. D'abord, je sais même pas ce que j'ai. Alors, j'ai de l'herbe, j'ai des piqûres, j'ai de la coque. Ok. On peut déjà commencer. On va appeler Z. On va dealer, on va tout dealer. Allez, c'est parti. Allez, je préfère refuser pour le moment.
Voilà, il veut de l'herbe. Et voilà notre premier deal. Voilà, ça c'est tout mon gang là. Ils font tout acheter. Et là, il faut que je m'arme parce que là, je connais les gens. Il y a souvent des gens qui sont prêts à... Voilà, je vends de la coke. Et voilà, les trafics se passent super bien, les guys. 3 grammes. Tiens, ça, poteau. Vous voyez, tout le monde est armé, hein. Ça, tout le monde... c'est de surveiller ses arrières. On va vendre des piqûres. J'ai pas envie de dire le nom. Vous pouvez lire là-bas en haut à droite. En haut à gauche, pardon. Vous verrez tout ce que je suis en train. Et la réputation, vous voyez, ça augmente. Hein. Ça augmente. Il vaut mieux que je sauvegarde d'ailleurs. Parce que souvent. Souvent, mon jeu crash. Et genre, j'ai déjà eu un profit là. Il faut faire attention, souvent les keufs, quelqu'un peut nous balance et dire qu'il y a un dealer là-bas. Et puis... Ok, on se casse, les keufs se ramènent. Et il faut que je me casse. Désolé les clients, mais... Voilà, il y a des clients qui me suivent. Je vais les amener avec moi. Alors, on peut même dealer dans la voiture. On peut dealer dans la voiture calmement. Voilà, il y a beaucoup de clients, les guys. Il y a beaucoup de clients. J'espère que les keufs ne vont pas m'attraper ici. Mais en tout cas, je suis en train de faire beaucoup d'argent. Regardez, tous ces clients. Je ne savais pas qu'il y avait autant de clients ici. Alors, je commencerai à vendre ici. Franchement, je suis en train, je sais même plus. Attention, les keufs sont là. Bordel, les keufs. Les keufs sont en mètre pouce. Oh non, ça va pas crasher. Non, non, non. Un autre crash. C'est énervant, ce jeu crash tout le temps. Au bon moment où les choses commencent à chauffer, quoi. Donc les gars, je crois que je vais d'abord résoudre ce problème et voir pourquoi mon jeu crash. Heureusement, j'avais sauvegardé pour garder la dope. Donc on se retrouve dans quelques minutes. Alors les gars, voilà, on est de retour encore une fois. Et on se retrouve à l'endroit là où ça s'était crashé. J'ai installé un mode qui va peut-être résoudre les crashs. J'ai fait ça en quelques minutes. J'espère que ça va résoudre. J'espère qu'on n'aura pas un autre crash. Si ça persiste, c'est pour ça que j'avais stoppé un peu la série. J'avais installé trop de modes. Je crois qu'il y a des modes qui ne sont pas compatibles. Et ça, c'est ça qui cause le problème. Alors, on va continuer notre deal. On va recommencer la monnaie et on va cliquer comme ça. Ok, bon. Comme ça, ça ne marche pas. Donc, je vais appeler Z et lui dire, le prévenir que je commence à dealer. Allez, c'est parti, on commence à faire du deal. Attention. Voilà, on recommence encore notre trafic, notre petit trafic. Allez, il veut de la piqûre celui-ci. Franchement, c'était fait beaucoup de bif. Et notre réputation, c'était à 0,8. Là, faudra que je sauvegarde le plus souvent possible pour éviter les crashs. Mais franchement, il faut que les crashs arrêtent. Parce que si ça continue, je crois que je me ferai pas beaucoup d'argent. On va être un petit dealer de dope. Trafic de dope. Allez, poteau. Ça, tout ça, ce sont les membres de mon gang. Hein. Voilà. Je savais pas qu'ils prenaient autant de ça. Mais bon, voilà. On va essayer d'entrer ici. Parce que je vois, ils sont... Oh, il a un couteau celui-ci. En fait, tout le monde quitte, enlève son arme parce qu'ils ont peur de se faire naquer. Mais ne vous inquiétez pas, les gars. C'est parce que moi aussi, j'ai retiré mon arme. Je me suis dit, on n'est pas trop prudent. Vous connaissez comment les trafics de dope se terminent. Souvent en bain de sang. Voilà, on va vendre aussi de l'herbe. Voilà, on est en train de... Là, je vais sauvegarder un peu parce que... Je connais ce jeu. Je connais ce jeu.
Parfois, ça fait des crashs. Mais quand la police va me coffrer, quand j'aurai une poursuite de police, là, je vais pas sauvegarder parce que c'est un peu de la triche. Ça, c'est juste pour éviter les crashs. Et vous savez que je sens que les clés. Je sais pas. Ok, les keufs se ramènent. Je me casse. Je vais amener quelques clients avec moi. Ça commence à être chaud de ce côté-là. Après, je vais y revenir, continuer, parce que là-bas, il y a vraiment beaucoup de clients, mais il y a beaucoup de balance aussi. Allez, on va s'armer aussi dans la voiture, parce que on ne sait pas ce qui peut arriver. Et donc voilà, il y a beaucoup de clients. Et là, c'est mon gazi, je crois. Je viens acheter. Et là, on va d'abord se mettre bien parce que là... Attention, voilà les problèmes de ces gars. Voilà le genre de balance que je disais. Il y aura des gens qui voudront nous voler notre pactole. Et voilà, on en a fini avec lui. Alors j'ai l'impression qu'il y a beaucoup et les keufs se ramènent aussi maintenant. Ah, c'est très dangereux cet endroit. Alors d'abord il faut que je m'échappe de la police et puis après je pourrais aller délivrer. D'ailleurs je vais aller mettre un peu d'essence. J'ai l'impression que j'ai pas beaucoup d'essence et peut-être je peux retourner à la planque aussi. Allez, on y va les gars, en tout cas tout va bien. 13 000, et puis après pourquoi pas on pourra acheter, on va terminer de vendre tout ça, on pourra acheter d'autres marchandises, si vous voyez ce que je veux dire. Et après d'abord on va prendre un peu d'essence. Je me demande combien de temps vous voulez que la vidéo dure, parce que ça va prendre beaucoup de temps pour vendre tout ça et pour arriver à 100 000 $. Je me disais, je fais 20 minutes. Alors là, la police ne me trouve plus. Voilà, on a mis de l'essence. Bordel. Ils ont trouvé quoi ressemblait ma voiture. Ok, j'ai échappé. Donc, dans 6 heures. Donc, je suis recherché. Ça fait 6 heures que je suis recherché. Ils vont me rechercher pendant 6 heures. Donc, c'est pas si lent que ça. Je peux me cacher encore. Et... Alors, je me dis, au lieu de faire ça, je vais aller planquer d'abord. Oh, waouh, là, les keufs sont à ma poursuite, les gars. Je sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui. Je crois que je vais arrêter trafic. Je vais juste me cacher. Je vais juste me cacher parce que là, les keufs, je sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui. Ils sont pas contents que je me fasse beaucoup de fric et que je m'échappe avec autant d'assassinats. Et puis, je vais faire une activité de gang, là. On va appeler Quick J rapidement, là. Je suis rechargé par les keufs et moi, je vais faire une activité de gang. Alors là j'ai fait... Je veux changer de mission parce que j'ai pas envie de faire cette mission. On l'avait déjà fait la fois passée. J'ai déjà de la dope. On va rappeler Quick J et lui demander une autre mission. Ok les guys, on va aller faire du shopping pour le gang. Allez, on va faire du shopping pour le gang et puis on va terminer cette vidéo sur ça. On va aller acheter. J'espère qu'elle est armée. Moi, je vais m'armer au cas où. Allez, c'est parti. Oh là là, ça crache encore les guys. Je crois qu'on va arrêter la vidéo par ici parce que là, je ne comprends pas. C'est la troisième tentative. Après combien de crash, je crois qu'on a eu deux crash là et j'ai réinstallé les modes. J'espère qu'on n'aura pas de crash et là j'ai l'impression que ça va crasher. Et vous voyez qu'il y a un changement, en fait j'ai réinstallé, j'ai augmenté les graphismes, j'ai installé un mode de graphisme. J'espère que ça va pas crasher parce que j'ai l'impression que tout a l'air d'aller doucement. Allez, on va appeler directement Quick J. Ah, j'ai gardé tout mon argent à la planque
Pourquoi ça me fait toujours ça, hein? Je comprends pas. Je vais encore reload. Alors, je vais encore appeler. Si ça me fait encore la même chose, on va aller juste vendre la dope dans la rue. Rien de. On peut rien faire. Ok, on va aller faire du shopping. Ok, je vais prendre une caisse là. Allez, les gars, on y va. J'espère que la musique n'est pas trop haute. Mais je vais régler ça au montage. Et puis, on va aller récupérer notre membre du gang. J'espère que ça va pas crasher. J'ai l'impression que ça va crasher. Mais les graphismes ont l'air d'être bien maintenant cette fois-ci. Allez, on va faire le shopping. Allez, on va faire la mission. Et puis, on va aller faire du shopping pour le gang. Je préfère aller d'abord dans le territoire ennemi. Comme ça, on reviendra chez nous. Franchement, les routes sont plus clean, je trouve, mais. Alors, on va aller ici. J'espère que le gang ennemi ne va pas nous attaquer là. Alors, on est en train de faire du shopping pour le gang. Et puis après, on va s'arrêter. On jouera. Je passerai à la quatrième épisode de cette série. Attention, il ne faut pas qu'il attire trop. Attention. Allez, va faire le shopping, quoi. Attention. J'espère que ça, c'est pas le membre d'un gang rival. Ok. Il a fait le shopping. Wow. C'est chaud le matin là. Allez, on va aller ici faire le shopping ici. Alors pourquoi vous sentez comment j'ai changé le son des armes aussi. Pourquoi ça va doucement? C'est surtout parce que j'ai mis OBS, je l'ai enlevé sur ma carte graphique. Je crois que c'est OBS qui fait crasher en fait le jeu. Je crois pas que c'est le jeu qui a un souci. C'est ma carte graphique qui, je sais pas pourquoi aujourd'hui. Et je crois depuis qu'il y a l'update de GTA, c'est pour ça que je faisais plus de vidéos parce que faudra attendre la prochaine mise à jour de GTA parce que là, la dernière mise à jour de GTA était super dégueulasse. Et ça avait fait. Alors là, je vais aller récupérer. Voilà, le gars, regardez ce qu'il fait. En fait, c'est juste les membres du gang rival, quoi. C'est pour ça qu'il les attaque. Alors, on a le truc. Allez, qu'il vient ici. Viens, 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 gars. On se casse. C'est pas le moment de se battre, mon gars. Et on va amener tout ça à la planque. Allez, c'est, il fait tard. Il fait tard. Je crois que la mission sera réussie. On va se faire un peu d'argent. Et puis après, on continuera le deal. Je vais éteindre un peu la radio là parce que. Voilà. Allez. C'est parti. On va donner tout ça au chef du gang, à Quick J. Je l'ai jamais vu, Quick J. Voilà. 500 dollars qu'on vient de gagner. C'était pas vraiment beaucoup. Alors, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin, les gars. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve pour. Quatrième épisode, cette fois-ci, on va faire plus d'activités de gang parce que avec la drogue, vous voyez que la police nous suit trop. Allez, à bientôt et à plus.